Salut à tous les amis, c'est Aquasi sur tout aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Hidden in the Shadows. Alors, il semblerait apparemment que la solution était vraiment impossible pour moi à trouver et heureusement, il fallait venir devant cette magnifique petite lumière et presser la touche C. Si je mets les côtés du contour là, du cadre devant la lumière, ça se glisse dans les cracks. Il y a quelque chose d'écrit, 51708. Parce que c'est tout à fait la réponse que j'aurais. Enfin, mon premier réflexe aurait été de venir devant. Au passage, ma 3DS va s'éteindre. Et merde, j'ai pas sauvegardé. J'ai capturé un nouveau Pokémon. Non ! 51708. Ok. 5. Oh ! Comment je te. Oui ! Ah voilà. 5, 7. Non. 5, 1, 7. Oui, non. 51708. 51708. Je sens que je vais l'oublier. Je suis tellement stupide. Ah, pourquoi je l'ai pas noté? D'habitude, je note toujours tout, mais là, même pas. Sérieusement. Alors, comment on fait pour grimper? Comment je fais? Ah, voilà. 51708. La combinaison est correcte. Yeah! C'était quoi ce bruit? Oh, j'aime pas ça. Bon. Oh non, attends. La clé vers la cave. Tu veux pas dire. Oh non. Va falloir aller dans la cuisine. Voilà. Voilà. J'ai sauvegardé. Ça, c'est quelque chose. Qui veut me tuer? Eh ben, je reviendrai. Je reviendrai. Non, je veux pas revenir en fait. Bon bah. Ouh. Coucou. Il y a des barils ici. C. Bouton C. Wow. Je me fonds dans la masse. Chut. Je suis caché. Non, ça ne marchera pas comme ça. Oh, encore plus de sang. On va pas faire le ménage un peu ici. Sérieusement. Bon. Maintenant, ça va être à mon boulot de savoir. Ça va de quel côté? En toute logique, les traces de sang deviennent un petit peu plus rares ici. Ce qui veut dire, entre autres, que la personne a été tuée ici et ramenée jusque là-bas. Donc, si je vais par là-bas, ça devrait être tranquille. Évidemment, ta mère, c'est fermé. Je peux pas utiliser ma logique puissante ici. Oh, il y a plein de choses ici. Qu'est-ce que c'est? C'est coincé. D'accord, j'ai compris. Je vais là où il y a le sang, par là où a été traînée la victime. D'accord, je vais nulle part. Ah. Niar. Ah. Oh! Cool! J'ai récupéré 10 allumettes. Cool. Je m'en fous un peu. Ah, je fais quoi moi maintenant? Voilà. Il y a des petits bugs de lumière à chaque fois quand tu ouvres le menu. Et je fais quoi moi maintenant? Ça servit à quoi? Et arrêtez de faire des blagues avec mon pseudo, s'il vous plaît, quand je dis ce genre de choses. Pitié. Je vous en prie. Le truc que je comprends pas... Oh, pardon. C'est qu'il y a des traces de sang en haut, mais il n'y en a pas en bas. Parce que c'est tout à fait logique. Ah, enfin... Oh, j'ai oublié de regarder l'heure. Non, je n'ai pas mon téléphone. Non, il va falloir que je filme à l'aveugle. Mon talent de chronomètre devra se faire. C'est foutu, les amis. Soit je risque de le faire beaucoup trop court, ça je m'en doute. Je m'excuse d'avance. Mais comment ça, c'est fermé, putain. Y a tout qui est fermé ici. À quoi ça sert de me donner l'accès au sous-sol si c'est pour me dire lol, c'est fermé. On va te mettre un truc bien effrayant, mais nope, c'est fermé, t'as pas le droit d'entrer. Va te faire foutre. J'aurais peur ailleurs, voilà. J'ai peur de partout ici, de toute façon. Il n'y a strictement rien. À quoi ça a servi? Hein? Qu'est-ce que c'est? Une tache noire? Comme s'il manquait quelque chose. Oh, j'aime pas ça. Bon.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué ailleurs. En attendant, je sais pas, un monstre qui est apparu qui a dit qu'il va essayer de me bouffer la gueule, quelque chose comme ça, je sais pas moi. Il y a toujours les taches de sang là, ça change pas. Ici, y'a rien. C'est fermé. Toi là, t'as été nettoyé? Bien. Enfin quelqu'un qui s'est occupé du nettoyage pendant que j'étais pas là. J'ai quoi dans mon inventaire de toute façon? La lanterne. Et le tournevis Phillips. Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça. Est-ce que toi tu t'es ouvert toi? J'essaye vraiment n'importe quoi parce que honnêtement je ne sais vraiment pas où jusqu'où je peux. Je vois pas ce que je peux faire simplement. T'es toujours mort toi? Bien. Continue comme ça, c'est très bien. Je veux partir. Tant pis, je serai célibataire. J'ai ma main gauche. Ça ira. Je préfère garder ma main. S'il vous plaît. Bon, ben tant pis. Oh là là, l'amour, ça te rend vraiment con. Je suis mal placé pour juger. Je suis sûr que j'ai raté quelque chose quelque part. Quelque chose d'important ici. Ou par là. Je me suis... Ah, j'allais dire, je me suis coincé tout seul. On a bien voir quelque chose. Hein? Chat perché. Voilà. Je suis une statue. Non. Non, 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 non. Là, je refais un peu le tour, les amis, de tout ce que j'ai visité. Parce que là, c'est pas normal que je me retrouve avec autant de problèmes. Oh, qu'est-ce que c'est ça? De toute façon, je peux même pas cliquer dessus. Bien. Caché. Retrouvé. Ah, bon, ben, je vais aller voir. Voilà, ça y est, j'ai trouvé la solution. En fait, il fallait se rendre compte tout simplement que j'avais, comme qui dirait, une autre clé qui était à l'intérieur. Il y avait deux clés. Parce qu'évidemment, ça, c'est quelque chose que je pouvais voir de suite. Ce qu'il fallait que j'appuie deux fois. Très bien. Du coup, j'ai aussi la clé pour la chambre. Décidément, je sens que ce jeu va vraiment m'en faire voir des vertes et des pas mûres. Alors, monsieur, vous n'avez pas votre tête. Vous n'avez plus toute votre tête. Un peu de lumière ne me... C'est qu'un refus. Oh putain, pour les prisons dans la cave. Oh là là, tu peux pas faire plus cliché dans l'horreur. Une table. Ah non, un lit. Avec du sang. Il y a un journal ici. A strange brute mark stained with blood. Un marque-page étrange recouvert de sang. Oh non! Oh non! Oh non, 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 monsieur. Alors là, je dis non. Non, tu te pousses. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui va m'attendre encore derrière? Voilà, je sors de l'écran. Et maintenant, je rentre et tu me laisses pas. Putain, je fais quoi, moi, maintenant? Quelque chose là. Le lit. Il y a quelque chose qui va me tomber sur la gueule. Je le sens gros comme un camion. Faut-il que j'utilise quelque chose quand il est en rapport avec ça? Je peux avoir des infos dessus? Non, je n'ai pas le droit. Comment on fait pour voir des infos sur les objets? Menu. Bon, déjà, j'ai pas trop envie de savoir. Oh putain, regardez-moi ça en plus, l'effet là de bug de lumière là, ça fait peur en bas. Press enter to merge. On peut. Ouais, je sais pas. Non, cette combinaison serait inutile. Comme ta tronche est inutile. Oh, le screwdriver, je pourrais pas l'utiliser par ça. There is nothing to use the screwdriver. What? Fuck you. Tu
vas voir, moi, je vais te screwdriver la gueule, moi. Ici, il y a quelque chose, il y a ça, là. Oh. Faut-il que je pousse la chaise? Voilà. J'ai poussé la chaise et je grimpe dessus. Voilà. J'ai fini le jeu. Je peux partir maintenant? Non, sérieusement, je pars comment, là? Vous avouez, là, je sais pas que je flippe. Non. Mais si je pouvais avoir une paire de couches de rechange, je dirais pas non. Je peux grimper sur le lit? Non, c'est impossible. Je ne peux pas grimper dessus. Je clique au hasard, essayer de voir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Essentiellement, je ne peux rien faire. Voilà, j'ai allumé les deux lumières en bas. Est-ce que c'est bon? Ma DS commence à clignoter rouge. Là d'abord, elle était rouge, maintenant elle clignote rouge. Et il y a ma sauvegarde qui va s'enlever. Oh, il faut que j'essaie de sauvegarder en même temps que je joue. Non! Il ne va pas me tomber dessus, Pokémon. Non, j'ai capturé trop de Pokémon, j'en ai rien à péter. Voilà. Heureusement, la sauvegarde d'un Pokémon XY est super rapide. Comparé aux autres versions. Je continue de cliquer partout comme un con. J'ai aucune idée. Mais... Dégage! Dégage! Je peux rien utiliser sur toi. Wow! La code! 8, 6, 8, 1, 7. Mais c'est un code pourquoi? Je n'ai pas besoin de code pour le moment. Il n'y a rien qui nécessite un code dans le coin. Non? Si? Je suis coincé. Je suis coincé là. T'es sérieux? Non, t'es pas sérieux là. Allez, non, s'il te plaît, me fais pas ça. Oh. Ah, c'est bizarre. Oh putain. Peut-être que j'ai provoqué un bug. Non. Non. C'est pas vrai, bon. On va. Je vais recharger le jeu. Depuis la dernière sauvegarde qui était juste ici. Voilà. Bon. Il fallait venir ici. Il fallait revenir ici de toute façon. Je récupère le bookmark. Voilà. J'allume ici. J'allume là. L'autre empaffé est parti là, voilà, parfait. Enfin, parfait, ça c'est vite dit. Maintenant, est-ce que je peux partir moi maintenant, s'il te plaît? S'il te plaît. Vas-y, fais pas ta pute. Hop. Où est-ce que j'aurais besoin d'un code? Oh, me dis pas qu'il va falloir encore que je recommence. Voilà, j'ai peut-être trouvé la solution. Peut-être pas ça. Mais regardez-moi ça. Parce que c'était tellement évident. Voilà, ce coin du de le tapis est un ce tapis un peu abîmé cache une trappe d'or. Une trappe, j'ai peur d'aller là-dedans mais je pense que c'est le seul moyen. Et surtout dis-moi comment j'aurais pu trouver ça encore une fois. Hein, je tiens à rappeler le ridicule de la chose. Hein, c'est encore un truc que tu ne pouvais pas voir. Il aurait pu faire un effort de design pour au moins montrer que... Non, non, non. Finalement, c'est plutôt bien là-haut. Non, bordel de merde. Je veux pas aller là-dedans. C'est grand ici. Ah, il y a quelque chose là. Pourquoi je ne peux pas... ramasser l'objet. Ah, une clé vers la salle de storage. Parfait. Voilà, je me cache du monstre. Je me cache du monstre. Parfait. Il ne me verra jamais là-dedans. Non, sérieusement. Oh, j'aime pas ce jeu. Ça fait peur. J'aime pas avoir peur.
Hop, sauvegarde. Ah, fais un coup là. Eh, c'était le truc d'en bas là. Ah, putain. Ah, il y a mon frère qui crie un peu derrière, excusez-moi. Mais bon, hein, il faut bien que jeunesse se passe, hein, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Putain, c'est le bordel ici. Oh, comment j'ai réussi à passer là? Je ne sais même pas. Voilà, j'ai activé quelque chose, je crois. Bon, ben, j'ai activé quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop. Putain, s'il y a d'autres barils qui explosent, je vous jure. Ben, je vais pas être content. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire quelque chose. Attendez une seconde, les amis. Logan! Logan! Je filme, tu peux ne pas crier, s'il te plaît? Non, c'est un jeu d'horreur! Voilà, excusez-moi, les amis. Bien. Je sais pas si je vais encore oublier d'éditer cette partie, mais au moins pour une fois, je lui aurais demandé poliment. Hein. C'est pas comme les autres fois. Normalement, en plus, la fois avec Corse Party, j'étais censé. J'avais oublié de couper au montage. Mais normalement, vous auriez pas dû m'entendre lui hurler dessus. C'était pas ma faute. Voilà, j'ai oublié. Je suis un étourdi. Putain, j'ai l'impression que j'allais encore me coincer et faire un, et bloquer le jeu. Putain, ça m'aurait encore un peu embêté tout ça. Mis à part ça, je vais. Oh, oh bah, je vais là. Voilà, game saved. Allez. Y'a rien en fait ici. Oh non, tu vas pas te recoincer, hein, c'est moi qui te le dis. T'as pas intérêt à te recoincer dans les objets. Il doit y avoir quelque chose ici. Autrement, on ne me ferait pas venir. Peut-être dans les. Dans le machin. Oh, bah c'est par là. Ah. Oh. Oh. Ok. Je sais pas comment j'ai trouvé. J'ai cliqué au hasard par dépit et ça m'a donné la clé. Bon, bah, merci. Oh putain, j'aime pas ce jeu. J'aime pas ce jeu. Mais alors, je ne l'aime pas. Mais alors, pas du tout. Eh, je suis de retour là. Génial. Génial. Non, pas génial. Et je. Oh putain, pourquoi ça crie encore? J'ai dit d'arrêter. Ah, oh, il doit encore. Oh. Excusez-moi, les amis, je fais ce que je peux. Hein. Du coup, j'ai. Hé, hey, il y a un objet là. Deux allumettes. Ben. Merci pour ce méga cadeau. Dis-moi. Mais du coup, au final, je fais quoi? Moi, j'ai quoi? Ah, j'ai toujours cette clé pour les prisons du sous-sol. Ah oui, il faut que je retourne par là-bas. Oh non, j'ai pas envie. Pourquoi je dois aller encore au sous-sol, encore et toujours? Les sous-sols, c'est vraiment ce qui fait peur. En même temps, c'est sous le sol. Et sous le sol, c'est fait peur. Je reste dans le coin. Je trouve quelque chose sur ce petit baril. Quand même, on veut bien me laisser le prendre. Putain. Ah, dis... Oh. 10 allumettes, sérieusement. Je m'en fous des allumettes, moi c'est fou. La clé de la chambre de torture. C'est pire en pire. La porte est fermée. Tant mieux. Ah, il a été traîné de la chambre de torture jusqu'ici. Je vois, bon bah on va continuer dans les stéréotypes du jeu d'horreur. Maintenant, chambre de torture. Ça me va. Non, ça me va pas du tout en fait. Allez. Allez, tombe-moi dessus et qu'on en finisse. Oh putain, c'est quoi ça? Oh coucou. Au revoir. Nope. 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 Est-ce que ça me suit? Je sais pas, j'arrive pas à voir si ça me suit ou pas. Ça me suit, oui. D'accord, j'ai eu ce jeu. C'est officiel. Putain, je l'ai craché sur mon micro, dit qu'un. Oh là là, dit. L'écran de Game Over, il est un peu long là par contre. Pourquoi j'ai toujours mon. Ah! Faut que je load le jeu. Fort bien. Bon, bah, au moins, je sais ce qu'il va falloir que je cours. Jusqu'en haut là. Je vais aller jusqu'au premier étage. Il y avait la.
Le bonjour. Bonjour sexy. Tu ressembles à un alien. Un alien en rouge. Pourquoi t'es rouge, je ne sais pas, mais je ne juge pas les gens par leur couleur. Est-ce qu'on peut te considérer comme Jean étant donné que tu es un alien? Je ne sais pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Comment tu es? Montre-toi. Eh ben, t'es pas beau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nope. 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 T'es bon? C'est bon? Ça y est? Oh, je suis tellement stressé, c'est tellement con. Bon, allons voir. C'est bon? Je vais pas me faire zigouiller. Du coup, je sais pas où il est. Le problème, c'est qu'il y a trop, d'ombre dans ce jeu. Il y a beaucoup trop d'ombre. Du coup, tu sais pas où aller. Tu sais pas où aller, ni où est-ce qu'il est, surtout. Surtout que moi, je suis obligé de baisser le son pour que vous entendiez dans le micro. Du coup, bonjour. Vous êtes mort. Très bien. Tant mieux. Au revoir. Bon, bah, je fonce. Quelque chose me dit qu'il doit être derrière moi ou une connerie du genre. Non, y a rien. J'avance. Putain, ta mère. Je veux pas traîner ici. S'il arrive. J'ai peur, putain! Mais à quoi me servirait? Au passage, j'ai réussi à sauver ma déesse avant qu'elle ne s'éteigne. Je suis un héros. Je suis le Batman. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Non, sauf que je vois strictement rien de ce qui se passe. Il y a quelque chose ici. C'est fermé, va te faire foutre. Oh putain, c'est plein de cadavres en fait. D'accord. Oh, mais moi ça me va, hein. Je préfère pas. Je ne peux pas trop m'aventurer là-dedans. Oh, je dois faire quoi, moi, maintenant? Ah, oh, c'est pas vrai! Toutes les deux énigmes. Le pire, c'est que ça clique tellement que tu peux toujours rater un objet. Oh, zut! Là, voilà. Bien. Enfin. 10. Je suis vraiment aveugle. Ah, je suis dehors. Allez, on se casse avant qu'il arrive l'autre con. Je m'en fous, je me casse. Je m'en fous. Je sais jamais s'il va arriver. On sait jamais s'il va arriver. Il y a beaucoup de lumière, ça pourrait peut-être tendance à me faire penser qu'il va bientôt arriver. C'est fermé. Pourquoi il y a tout qui est fermé dans ce jeu? Hein? Pourquoi il y a tout qui est toujours fermé? C'est par derrière. Pas que l'idée me déplaît, mais non, non, ça me déplaît. Si, en fait, ça me déplaît. Je dois aller par où alors? Les buissons m'empêchent de passer où que ce soit. Et les clignotements sont tellement petits dans ce jeu que tu vois pas où sont les objets. N'ai marre, moi. N'est vraiment marre. Ici, l'autre con revenait, hein. Avant de me rendre dans cette zone qui a l'air plutôt sombre, je vais sauvegarder. Allons-y. Non, apparemment, je peux tout à fait m'y rendre. Cool. Cool. Une maison. Qui elle aussi est fermée, bordel de merde. C'est quoi ça? Pourquoi il y a tout qui est fermé ici de toute façon? Oh. Allez, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Mais je fais quoi encore? J'en ai marre de faire d'éteindre, rallumer mes enregistrements. C'est pas vrai. Ah! Derrière! C'est fermé derrière aussi, tu te fous de ma gueule! Oh. Eh les amis, excusez-moi, il y a eu un petit bug là, je sais pas pourquoi ça avait pas enregistré. J'ai trouvé la clé qui était juste là-dessous, hein, sous le tapis, ce qui était plutôt logique.
Je suis entré directement dans la maison. Je vous dis rapidement ce que j'ai fait. Je suis entré dans... Non, pas dans cette salle, évidemment, parce que celle-ci est fermée. Je suis allé là-dedans. Il y avait une clé, là, sous l'évier, plus une dans le pot, ici. Ici, c'était fermé. Il y a eu un petit jumpscare, une espèce de poussière noire qui est sortie de sous la porte. Je suis rentré. Je suis arrivé ici. Il y avait un bouton sur le bibliothèque, là. Un coffre que voici. Donc, il faut grimper. Et il y a un code de couleur qui correspond, en réalité... au bookmark qui se trouve ici et dont j'ai strictement aucune idée de comment l'utiliser. On peut zoomer ou faire tourner, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Et je dois avouer que je ne comprends pas. Il faut changer les couleurs ici. Je ne sais pas, j'ai pas très bien compris. Ça fait quelques minutes que je suis dessus et je comptais arrêter l'épisode à ce moment-là. Donc là, je vais profiter en vitesse juste pour vous dire exactement ce que j'ai fait pour vous dire au revoir. Donc voilà, c'était Akosis, donc pour la suite de notre aventure sur Hidden in the Shadows. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Facebook, Twitter ou AskFM si la vidéo vous a plu. Un petit pouce vert peut toujours m'être utile, hein, ce serait très gentil de votre part. Et en attendant, nous nous retrouvons au prochain épisode. Je vous dis d'ici là, à très bientôt.